Ici, en Cévennes, on a pratiquement que le sanglier. Et donc, moi, ça va faire plus de 30 ans que je chasse. Et on chasse uniquement le sanglier. Petit à petit, il y a le chevreuil qui est descendu. Donc, on a un peu de chevreuil, mais on chasse essentiellement le sanglier. Il faut savoir que les sangliers, il y en a de plus en plus. Nous, on a une petite équipe, on est à peu près 25 chasseurs, mais l'année dernière, on a tué un peu plus de 70 sangliers. Cette année, ce sera à peu près pareil. On rentre dans les remises, les endroits où c'est qu'ils se tiennent. Souvent. Hey, ça allait ? Chacun a son point de traque. On est deux à traquer en général et toujours les mêmes. Et chacun, dans chaque partie qu'on fait, on a notre coin de traque. On a très peu de chiens, on en a perdu pas mal. Et on n'est pas arrivé encore. On en a remis quelques-uns de jeunes, mais qui ne sont pas encore opérationnels. Alors, on se retrouve en fin de saison avec pas beaucoup de chiens. On a commencé avec pas beaucoup, on a fini avec pas beaucoup non plus d'ailleurs. C'est une chasse très difficile parce que, bon, là encore, ici on a pris un poste où on voit un peu loin, mais généralement là, nos postes sont dans les sous-bois et on tire au maximum les sangliers entre 25 et 30 mètres. C'est rare qu'on tire des sangliers plus loin, quoi. Ou alors il faut monter un peu plus haut en Lozère, mais bon, c'est plus notre territoire. Ils ont des collines où on voit de loin. Nous, on est obligé d'aller dans le bois et on tire les sangliers entre 25 et 30 mètres. Et même, ça nous arrive souvent de les tirer à moins de 10 mètres. Hein, parce qu'on n'a pas de la visibilité pour les tirer. Hein. C'est très difficile, c'est escarpé, c'est fourré. Mais bon, ça complique un peu la situation, c'est bien. Les sangliers se sauvent un peu plus souvent. Voilà, à la limite de notre chasse, c'est la crête qu'il y a en face. Un territoire idéal pour le sanglier. C'est ici que se perpétue la tradition. Mais l'an dernier, là, qui c'est qui a tiré? C'est Claude? C'est Claude qui a tiré. Ils ont tiré, là, comment ils appellent? Alors, poste de Lionel, là. Ils ont mitraillé, je ne sais pas combien de fois. Bon, on connaît quand même bien les passages, parce qu'il y a des passages qui sont assez fréquentés, donc le fait que ce soit un peu fourré aussi, ça les canalise un peu. On arrive à avoir des passages assez fréquentés quand même. Donc on arrive à avoir des postes qui sont quand même bien, mais bon. La montagne est grande, il y a beaucoup de passages. Mais c'est vrai que c'est une chasse difficile. Je crois qu'il faut être né ici pour vraiment chasser le sanglier, parce que ceux qui connaissent la plaine avec le gibet à plumes et tout, c'est une chasse. Bon, cet après-midi, on a essayé là, il y avait un pied, on l'a vu rentrer, on n'a rien levé, mais bon, il a dû sortir d'un côté ou de l'autre sans qu'on le voie. Mais non, c'est une belle journée, puis le sein fait soleil, pas de vent pratiquement, il fait une belle journée pour chasser.